Bonjour et bienvenue à une autre capsule sur la G Suite et Google Classroom. Nous allons maintenant voir comment connecter notre navigateur Chrome. Nous avons vu dans la capsule précédente comment se connecter à notre compte Google, à notre compte G Suite. Maintenant, on va voir comment connecter notre navigateur. Petite différence ici. Le fait de connecter notre navigateur comporte plusieurs avantages. Le premier, la synchronisation de nos favoris. Donc tous nos favoris, peu importe l'appareil qui est utilisé, vont euh, suivre. Donc on va pouvoir les retrouver d'un appareil à l'autre. Deuxièmement, nous allons voir qu'il y a la possibilité de synchroniser ici nos extensions. Donc toute petite extension installée à notre navigateur va également pouvoir suivre euh, d'un appareil à l'autre. Et finalement, la synchronisation de notre historique qui permet de, euh, de retrouver notre travail que nous avions euh, laissé, notre navigation Internet. Donc voici comment faire. D'abord, dans notre navigateur, nous voyons que nous sommes connectés ici à notre compte G Suite. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de la page Google, comme il a été montré dans la capsule précédente. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parfois, en se connectant ici, ça va synchroniser ici la connexion juste en haut. Si vous regardez bien, c'est... Tout au bout de la barre d'adresse, on devrait retrouver euh, ici une icône ici identique, okay? Donc, euh, d'habitude, on a encore la même pastille. Donc, on voit l'utilisateur actuel. Si on clique sur celui-ci, n'a pas encore été défini. Donc, euh, on n'a pas de possibilité euh, d'activer la synchronisation. Il est très recommandé d'utiliser ici votre compte qui vous a été fourni par votre établissement scolaire, que ce soit le même ici en haut dans votre navigateur et en bas ici dans votre page Google, parce qu'il peut y avoir ici des petits conflits. On va poursuivre. Comment faire ici pour se connecter? Du moins, on va cliquer ici sur notre, sur notre compte, donc sur l'utilisateur qui n'a pas été défini. S'il y en a un déjà, un autre compte Google que vous aviez peut-être à des fins personnelles, donc ce n'est pas nécessairement le compte scolaire qui est utilisé, je vous conseille fortement de vous déconnecter, de connecter votre compte institutionnel scolaire qui vous a été fourni. Donc, j'ai cliqué ici. On va essayer de définir d'autres personnes. Donc, on va faire ajouter. Une fenêtre va s'ouvrir à nous. Donc ici, on dit d'ajouter une personne. Donc ce que je vais faire, je vais ici euh, taper CSSHC pour désigner ici euh, le compte associé au centre de service des hauts cantons. Ensuite, on nous demande ici de choisir, euh, définir un avatar. Donc j'en sélectionne un au hasard. Et vous voyez en bas ici, on a la possibilité de créer un raccourci sur le bureau pour cet utilisateur. Donc sur notre bureau, ce que ça va faire, c'est qu'en cliquant, on va se connecter automatiquement avec notre compte de, euh, du CSSHC euh, ce qui peut être facilitant si on a plusieurs comptes comme ça donc des comptes personnels des comptes professionnels des comptes étudiants des comptes euh, enseignants on clique ici sur ajouter maintenant il va nous demander ici de personnaliser chrome Alors, on a déjà un compte existant c'est celui qui vous a été donné dont les informations vous ont été transmises par l'établissement scolaire. Donc, vous allez cliquer ici sur Vous utilisez déjà Chrome Connexion. Donc, je clique. On nous demande de saisir nos informations à nouveau. Donc, on saisit le compte qui nous a été communiqué. On clique sur Suivant. On nous demande de saisir le mot de passe. On le saisit à l'instant. Et on clique sur Suivant. Voilà. On a, vous devriez voir une boîte ici, une fenêtre d'avertissement pour dire que ce compte est géré par euh, cshc.qc.ca. Donc, c'est géré par le centre de, le centre de service. Donc, euh, très important ici, on va cliquer sur Associer euh, les données. On clique sur associer les données. Maintenant, il nous propose d'activer la synchronisation. Comme je vous dis, ça fait partie ici des nombreux avantages. Donc, on va accepter ici. Donc, je vais cliquer sur ⁇ J'accepte ⁇ Et voilà, donc on attend quelques instants et vous avez vu ici, donc toutes mes extensions sont en train de s'ouvrir, de s'installer à l'intérieur de mon navigateur, tout comme mes favoris ont suivi. Donc là, ça fait beaucoup d'informations ici à traiter plusieurs pages comme ça peuvent s'ouvrir si vous avez beaucoup euh, d'extensions euh, d'installer Je vais revenir ici et maintenant j'ai accès à mes favoris qui se trouvent ici euh, juste en haut. Donc la vie est facilitée de la sorte et euh, on s'assure comme ça que on voit la petite pastille, on a la confirmation de connexion. Donc si je clique sur la pastille ici, je vois que je suis bel et bien connecté, que la synchronisation est activée tout comme je suis connecté ici à mon compte G Suite et j'ai accès euh, ici avec la petite grille aux diverses applications de la G Suite. Je vous remercie, une belle journée à vous.